ce soir. Ouais, je suis là, comme vous voulez. Il y a Onida, il y a Middle. Enfin, je vous montre un point, je peux rester en soutien, c'est bon. Tu peux y aller, Winda, oui. Ouais, Winda, vas-y. Ok. On tourne. Panta, suivant. C'est chaise musicale. C'est Panta, c'est Panta le pilier. Panta, c'est comme le cadran du Xelor, tu vois. C'est le pilier. Et les roublards sont pliés. Attention, hein. Ah là là. C'est violent, roublard. Ouais. Ça élimine en quart de finale. Oh, punaise. Allez. Donc les bleus, c'est table de chevet, je me trompe pas, c'est bon. Les bleus, attends. Ouais, c'est bon. C'est table de chevet contre Bendona Bendo, hein, je suis pas trompé. C'est ça. Tout à fait. Ok. Et donc on a d'un côté une équipe à une victoire, 3 points suisses, les TDC. Face à eux, les Bendona Bendo ont une victoire, une défaite, un nul. Ça veut dire qu'il faut absolument gagner pour les Bendona Bendo s'ils veulent espérer sortir de poule. Exactement. Du compo original quand même. Oui. On a beaucoup de compo original sur Jiva. Ouais. Et elle est violente la compo Bendona Bendo, je trouve. Allez, le match se lance. C'est parti. Et initiative au Roublard qui va aller directement placer le Dermozon, j'imagine. Je pense qu'il va jouer au... C'est un blabot, hein, je sais pas. Il y a énormément de tacles. J'espère qu'il joue pas R. Non, je commande non, pas. Non, il est haut, je pense. Et effectivement, le blabot sur le Feka qui joue assez tôt. Ah oui, il est R. Le roublard, ouais. Vous trouvez pas le placement un peu couillé? Il a un bouclier, en fait. Ouais. Il a un bouclier, ouais. Ouais, Lise arbitre. Faut voir avec Lise. Attends. Ouais, mais il a pas d'aile, donc... Moi, je préviens, après, c'est les serbes, c'est Lise qui décide. Alors, en tout cas, il y a Lise qui joue peu de temps après. Qu'est-ce qu'il y a qui joue avant lui, s'il y a... Je le serai, mais ils vont pouvoir placer de l'érosion. Ouais, ça fait claquer la TP, c'est plutôt bien. Posé, donc on s'en fout du bouclier, effectivement, pas d'aile. Ok. Version d'arbitre. D'accord. Ouais. Comme ça, après le sacré peu coop juste après, et il aura plus de TP. Effectivement. Bah, on va pas relancer, mais en soi. Mais là, ça va parce que. Ça rush. Oh non. Encore. Moi, je m'arrête sur le premier move qu'il a fait, la peur à deux cases. La bombe, il aurait pu la mettre à l'autre bout de la map. Ouais, ça, j'avoue que. Enfin, un roublard qui a ses bombes isolées du jeu, ça ne fait pas grand chose. Peut-être qu'il voulait la mettre sur les canons. Peut-être. Ouais. Hein. Ah, peut-être, ouais. Après, la désinvo ne marche pas sur les bombes, je crois. Oui, c'est ça. Elle marche pas. Il n'y a pas le double jet d'invocation sur les bombes. Mais en tout cas, mettre les bombes loin, sachant qu'ils ont un énu, donc potentiellement du retrait PO sur le roublard, ça aurait permis de l'empêcher de jouer, surtout que les stuffers, c'est pas ceux qui donnent le plus de PO. Enfin, ouais, du coup, on a placé de l'érosion sur indignation. Du coup, la TP est pas forcément obligatoire. Une IB peut suffire. Un petit lac de renouveau. Mais. Putain, ça rush, hein. Qu'est-ce qu'il a fait le SRAM adverse parce que. Il a posé. En fait, il a bloqué le SRAM adverse en fait. Mais. Ah oui, ok, d'accord, du coup, il a pas pu caler son héros. Enfin, il a dû inviter deux trucs, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que je pensais que le SRAM next, il aurait pu s'invite pour éviter d'être focus par l'héros déposé par le SRAM, quoi. Les Pikachu. Mais en fait, d'accord. Donc là, pour l'instant, un tour qui est assez équilibré, il n'y a pas vraiment d'avantage qui a été pris, même si. Préfère la position de Bendo à Bendo, à part la bombe. C'est dommage. Mais allez, le rempart sur toute son équipe. Mais Indignation a pu rentrer, il a pris un petit peu d'érosion, mais bon. Hop, c'est tapé Pikachu. Du coup, le SRAM il est invisible, mais grâce à l'autre SRAM quoi. Ouais, c'est vrai qu'il va pouvoir jouer invisible tranquillement. Dans longtemps. Allez, double Lenny, Ripsa, et il va y avoir un stimu. Ouais, ça stimu que le SRAM. Vous savez s'il y a une rémission sur la Tornabombe bombe? Parce que j'ai pas pu voir. Il me semble normalement, pas. Non. Il a dû pas avoir les PA pour bot, ou la bot et bombe. Ah si, la rémission. Ah la rémission. Si, ah oui, tout pile. Exact. Ouais, du coup, c'est chaud pour les murs. Bah, limite, en fait, quand tu fais une isolation tour 1 ou la bot. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre le 12 PA pour voir Tromblon, Roublabot, Bombe.
Après, il faut vraiment pouvoir s'avancer. Et là, il était pas trop mal passé, il aurait peut-être pu le faire. Ça aurait isolé peut-être un petit peu moins loin, mais bon. Je suis vraiment pas fan des roublards. Ouais, pareil. Je préfère haut, je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout qu'ils ont un SRAM, donc. Allez, Renouveau qui s'avance, qui va mettre des châtis, terre-feu. Sacré terre-feu, ouais, original. Pas beaucoup d'esquifés, par contre, attention. Attention, les nerfs, ça. Enderly. Allez, Sveto qui va probablement essayer de tuer cette bombe. Ou pas. Ou Faut le corps à l'idée. corps en tout cas, hein, parce que. Ou Ouais. l'appel. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il a tué? Moi, je Ouais, pense qu'il s'attendait à avoir le deuxième jet de la désinvocation. Non, Ah, je ça va pense pas juste, hein, que. tu vois. Ouais, avec une roulage, ça passe. Hein. Mais bon, ça passe. Impeccable. Du coup, pas de debuff. Ouais, pas de debuff. Un petit peu d'autre EPM quand même. On va rebonne l'animation, j'imagine, pour la isoler peut-être. Réfléchis. Une caote pour bloquer peut-être le retour du SRAM. Ah, ça isole le SRAM, il va être Ah obligé ouais. de lâcher un vie, on Ah va c'est plutôt poudre par bien ouais. contre. Ouais, enfin, ouais. Va perdre ses PA, tu la cote quoi. Mais là surtout poudre la bombe qui lui sert, enfin limite aurait dû mettre deux bombes. Parce que là la bombe va péter et du coup ça fait deux tours où il a pas de bombe chargée et le roublard a absolument aucune pression. En plus c'est un roublard AR, c'est pas accessoire qui fera beaucoup de dégâts. Ah ça va. T'as ça rush en tout cas. Donc une petite bombe PA ça aurait bien fait plaisir avec du retrait PA, c'était passé. Mais bon, allez, next, le SRAM. Petit humo, moins 2 sur Infini et moins 1 sur Nex. Il va nous faire. Un piège humo également, sur Tenderly et Pikachu j'imagine. Et il va aller le déclencher. Ah non, sur Indignation et Épique. Bon, la coque du sacré qui arrête plutôt tard. Oui. Et puis même, je sais pas si elle est très rentable, hein. Il n'y a pas de bombe chargée. Ouais. C'est vrai que c'est dommage qu'il va profiter de booster bombe, quoi. Ouais, en fait, il s'est servi de ses bombes pour faire du map control. Et du coup, elles se sont fait. Enfin, ça a marché, hein, le map control a marché, mais du coup, forcément, il n'y a pas de dégâts derrière. Et le moins 3 qui fait du mal. Hein. Oh Bon, là c'était là, un ouais. peu évident. Ouais, avec l'esquive qu'il a. Il a joué 8 PA tout le combat. Ouais, il y a de grandes chances. Mais pas moins. Ouais, c'est ça. Entre le Lenny et le Deux Vega là. PA même, s'il veut. Ouais, un aveuglement qui passe forcément moins bien là. D'ailleurs, toute la team a investi en esquive PA sauf le sacré, c'est étonnant. Parce qu'il y a quand même Fekaini. Hein. Ouais. Même les nus qui pourraient s'amuser à mettre une maladresse de masse d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est même Ça très c'est. rentable. Hein. Ouais. Une jouvence sur un dit, sûrement pour enlever un petit peu cette érosion. Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Bon, pour l'instant, il faudrait quand même un sacré avantage à Bendo, juste par le fait que Vaera n'ait pas de bombe chargée. Mais je pense qu'il va quand même avoir une coop fécale. Hein. Parce qu'il y a quand même Ouais. le SRAM qui passera dessus et un petit peu le roublard. En plus, ce SRAM s'est placé de manière. Ah mais non, il peut pas aller le coop à son corps à corps. Ah, il peut des tours, hein, Ah quoique, attends, s'il sort de la glyphe, peut-être qu'il récupère un PA parce qu'il est sur deux glyphes retrait PM. mais. Ouais. Il y a peut-être des chances. Non, il Non, recupérera bon, peut-être. après il détourne, Ouais, il va sinon. pouvoir détour. J'espère juste qu'il est pas taclé par le top avec Ah, quand même, j'espère. Et non, même pas, on va Ah? coop en plein milieu.
fait quand même un petit moins 5. Ah, il voulait peut-être attirer, mais... Et ouais, mais il est handicapé par son manque de retrait PA. D'esquive PA, pardon. Hey, Zveto. Est-ce qu'on aura une corrup, peut-être, corrup du SRAM? Ouais. Là, il a le choix. Non. Oh, le moins 3 qui passe bien. Sur un fi qui a 48 d'esquive PM. On a optimisé l'esquive PA du côté d'un fi et pas l'esquive PM. C'est difficile d'optimiser les deux. Ouais. Sans perdre trop de stats. Ah, faut lâcher. Et c'est... Ah, corrup Roublard. Quoi? J'aurais peut-être plus vu une corrup SRAM. Ça sert à rien, Roublard, là, pour l'instant. Tant qu'il a pas au moins 2 bombes sur le terrain, il fera. Il peut mettre de l'érosion à la limite, mais bon, le SRAM le fera aussi. Après, il a peut-être pas vu la ligne de vue parce que c'était la deuxième. Bah, moi j'aurais juste mis un kit PO sur le Roublard, ça aurait suffi déjà, ce qui servait encore moins à quelque chose. Ouais, quoique non, c'est même un peu tôt. En plus, il y avait la glyph PM qui. Ouais. Ouais. Allez, épique qui place des pièges un peu partout, un silence, un mortel, un sournoi. Et Nex qui va aller sûrement placer de l'érosion sur indignation. Peut-être un repérage du coup pour le bloquer contre le mur à la limite. Alors, ça réfléchit, ça s'invite. Et... on déclenche le répu. Oh, le répu de Pikachu qui a été super bien placé là au corps à corps d'indignation, ouais. Pour dégager, pour éviter. Il était vraiment super bien placé là. Et en plus, ça a déclenché le mortel. Est-ce que ça a déclenché le silence aussi? Non. Ceci, il a été déclenché au tout début. Ah si, je l'ai vu. Tout début. Ah, je vais mettre le chat. Le SRAM qui a pris cher, hein, 2200 points de vie. Ouais, très très beau placement de piège là des Pikachu qui a bien protégé son Feka. Ah, le SRAM qui est spotted. Ouais. Ouais, le moins 6, c'est un double ligne. C'est le double. Faut pas que je me balle. Je pense que la corrup du Roublard est un peu de trop. Ouais. Ouais, corrup le SRAM, même pas le piège suffisait du coup à aller sur son tour. Peut-être le Feka, limite, ou le Sacri, mais même la garder pour l'instant, il n'y avait pas vraiment besoin hein, de corrup ce tour-ci. Un Feka, un PM. Pour un Feka, c'est vraiment horrible. Ouais. Double. Ouais, le pont Doppel. Et la trêve, du coup. Oh, très carrément. Ça va permettre de replacer un petit peu le jeu et de repartir de zéro au final. Donc on arrive au tour 1. C'est ça. Il s'est pas passé grand chose. Il va rien se passer là. Il va même pas d'érosion. Ils sont trop loin les érodeurs. Raid Vaira, peut-être il peut éroder. Peut-être Raid Pikachu. S'il s'avance. Mais. Je sais pas ce que tu penses, Windad et Roublard R. Ouais, non, je suis pas fan. J'insiste là-dessus, ouais. Mais. Bah surtout que là, le Sacri n'est pas haut, donc ils ont aucun frappeur haut. Ouais, enfin, les sorts Roublard R sont pratiques sur une map à PO à la limite, je peux comprendre. Mais du coup, ton sort d'érosion ne tape pas, donc t'appliques juste de l'érosion. T'as pas les bombes qui font le plus de dégâts. Enfin, c'est autant que les bombes à eau, mais. Même le. Je suis pas très fan du Roublard Feu non plus, mais au moins tu peux soigner. Je sais pas. Bon, allez, renouveau. VPA. Même sa critère feu, je suis pas fan, monsieur. Ça manque de mobilité. C'est tellement chic le sacré haut entre les res, le tap, ouais. Et tout. Ouais. Et bon. Puis le bi-élément sur le sacré. Ouais. Tu t'érodes tout seul. Bon, ça, de toute façon, c'est le principe du sacré. Ouais, mais bon, il y a tellement de châssis à lancer mais... après. Ouais. Allez, on va bloquer Thunderly en attendant. Qui ouais, passe... il bloque bien. Hein. Ouais, à moins 3 en plus dans la glyph. Mais là, s'il veut Thunderly, il fait un petit mot de silence à Mondrian et Renouveau, il fera pas grand chose à son prochain tour. C'est clair. Ça lag.
Ouch, la maîtresse qui est pas passée. Ça y est, la clé réductrice sur le FK, sur le roublard, pardon. Peut-être un peu tôt. Que en fait, le roublard a besoin de PO que lorsqu'il a ses bombes, en fait. Au final, il aurait pu économiser un tour. Au moins, il est sûr de la placer. Toujours pas de bombe, en tout cas. Ah, toujours pas de bombe au tour 3. Au final, la corrupte est pas si inutile parce que bah, le roublard, il va arriver à T4 là. Pour... Avant de faire des dégâts, il faut attendre encore 3 tours. Et Bah, le match sera déjà plié, je pense. Enfin, c'est pas sûr, mais. Ouais. Enfin, si c'est parti comme ça. Ouais, c'est vrai que là, on a le temps encore. Ouais, bah, ici, on sait de bombe histoire qu'elle se fasse pâter au roulage. Et une autre Nex pour le booster. Aïra. Je suis dégoûté. Tu t'arriveras. On vient de me spoil le troisième épisode de Walking Dead, je suis un peu d'accord. Ah. Ah. Pas me demander pour ça, je l'aurais fait volontairement. Alors. Moi je regarde pas nous comme ça. Oh punaise. Mais je peux te spoil, en fait c'est un demi spoil ce qu'ils t'ont raconté. Ah ouais. On va en rajouter. Et c'est quand même du spoil au final. C'est pire que du spoil. Oh non. Même les joueurs s'y mettent quoi. Sérieux. Ah ça se fait pas. Oh, je suis dégoûté, C'est très moche. Putain j'aurais dû le voir direct quand il est sorti quoi. Ah, je suis dégoûté. Allez allez. Enfin. Bon, allez. Pour ceux qui n'ont pas vu, surtout ne lisez pas le canal. Bah tout le canal S est activé. Non, juste le général. Ouais bah du coup et même en général ils en parlent donc Ouais bah ça c'est un tour de trêve c'est normal hein. Ouais ça peut pas poter en jeu. Et là indique il lâche une autre trêve t'imagines pour discuter du oh non pour, juste pour discuter de Walking Dead tu vois normal mais enfin je pense pas qu'il va faire ça hein, je pense pas ça serait très sale. Bon concentrons-nous dit Sveto effectivement. Ça va être la fin de la trêve, on va pouvoir recommencer, repartir dans la chose sérieuse. Le rempart sur Epicatchou et Sveto, et on détaque le thème d'Early. Très bien joué. Effectivement, Zut, c'est bien ici qu'on spoil des séries. En parlant de ça, on va parler des futurs morts de la prochaine saison de Game of Thrones, non? Non. Pour ceux qui ont eu le temps. Si vous voulez, ouais. Ouf, voilà, ou l'équipe, il y a vraiment que des gros équipes ce soir, c'est impressionnant. Mais le stream est bien érodé quand même. Ouais, c'est vrai. Ça va être un match costaud hein, quand même. Hein. Ça va durer, je pense. Alors, est-ce que le Sacré va se retrouver encore une fois en 8 PA? Oui ou non? À vos paris. Ouais, je pense quand même. Oh là là, le double qui a kick ta vie avec le malus. Allez, moi je dirais 9. Hein. Je suis. Non, franchement, je pense 8. Joueur dans l'âme. Moi je dis 8. Ouais, en vortex. Ouais, 9. What? Non, il va juste aller tuer. Ah, si, reste de PRS. Allez, non, fais-le. Bah là, Stimu normalement. T4. Ouais. Et après, Drainant, allez. Ouais, et c'est moi, 3. Ah mais c'est sûr. Il a le trip de retrait. Abusé quoi, abusé. Non mais 36 esquives place c'est quand même un peu tendu hein. Un peu juste contre un Feka et un ennemi un minimum déjà c'est minimum syndical c'est 50 hein. Ouais même 70 c'est un minimum. Ouais mais j'ai sauf que sacré c'est quand même une... ouais, c'est quand même une case qui a besoin d'être dans le tas et qui est très exposé du coup au retrait. Exactement. Mais après c'est pas forcément facile d'avoir de l'esquive sur un sacri. Ouais. C'est vrai. Tu peux pas investir en sagesse. Il aurait pu mettre le trophée 32 quoi. Ouais, mais bon. Aïe, et du coup bah Sveto. Notre ami Sveto. On n'a pas encore vu la retraite hein. On a vu une trêve. Ah non, commence pas. Là, faut faire attention parce que les tables de chevet ils essayent de temporiser le temps que les bombes se chargent pour repartir un petit peu et sûrement lâcher une coop dans un mur. Oui. Donc faut pas les laisser partir en retraite.
Il pourrait en plus de ça monter un mini réseau, tu vois. Un micro truc là. Ah ouais. Alors. Comprenez pas la roublardise et j'ai pas compris la maladresse sur les illusions. Ah, SRAM qui spot. Ouais, ils ont spot le SRAM, ouais, bien joué. Oh, bien joué, on va isoler la sacrée. Et du coup, j'ai pas vu où est-ce qu'il est le SRAM. Ah, il est... Ok, d'accord. En diagonale avec la bombe, en fait. Effectivement, ouais. Juste en limite du glyphe. À cet endroit-là. Ah, il va y avoir. Il va falloir charger encore des bombes. Et pourquoi pas les surcharges aussi. Ouais, effectivement. Allez, Vaira. Si PA 3 secondes. J'ai cru que tu t'auto-encourages. Allez, Vaira. Allez, Ira. Courage. Non, c'était pas voulu là pour le coup. Mais du coup, j'ai pas trop compris. Non, mais j'arrête de commenter, je te surplus. Alors, et Pikachu. Reste zen, Panta, zen. Très oh spécial chance. Regardez qui vient d'arriver en tout cas le spectateur. Oh, là, je suis Glenn. C'est le parfait. Oh non, c'est pas possible. Allez, là. Ça pousse des trolls quoi. Du coup. Et poison sur renouveau. Oh. Et un vaisseau de dernier. Et puis un servi aussi. Ça c'est peut-être pour qu'est-ce contrer la cop. Prépare. Du coup. Ouais, effectivement. Ça serait pour contrer la cop de l'ennemi. Stupide. Qui est bien. Donc s'il coop l'ennu, il jouera derrière pour rentrer. Le Féka. Le Féka est sensible à une coop encore. Peut-être qu'il va se bastion du coup le Féka, à la limite. Ou ouais. Non. Ouais. Ou bouclier Féka pour assurer. C'est difficile. Enfin, tu peux facilement contrer un bastion ou même un bouclier. Ou une barricade avec un roublard. Il suffit de te bien te placer, surtout si c'est le sacré qui coop. Mm-hmm. Qui a bien te placer et fermer ton mur. Mais cette bombe feu me laisse perplexe. Peut-être pour bloquer le passage, j'en sais rien. Ah oui, je crois que le SRAM pouvait taper sinon. Non. J'ai un doute maintenant. Ah, il va bloquer du coup, un gravita. Ah oui, il va peut-être empêcher carrément la cop avec une gravita, hein, comme tu tout le simplement. Dis. Simplement. Et, ouais. Et du coup, il va se barricade pour pas prendre de dégâts. Quoique, c'est pas renouveau qui fera un max de dégâts. Il est pas trop boosté, je crois. Allez, oh, 3. C'est bien joué ça. D'avoir pris la bombe dans sa attention, glyphe. moins 3 et moins 3. Waouh. Ouais, il a même pas besoin de se mettre de protection. Du coup, bah, Lenny, l'invite d'autrui, bah, c'était du bonus au cas où en fait. Ouais. Il va pouvoir refoutre un moins 3 d'ailleurs. Moi je dis moins 2, je dis moins 2 sur celui-là. Franchement, je crois moins 3 aussi. Hein. Ah ouais, moi je dis moins 2. Ça lui permet aussi de pas être taclé par le doppel sacré à la limite. Et de finir d'être tranquille pour faire son petit retrait. Et petit placement. Oui, puis elle peut se mettre masse d'érosion tranquillou. Oh, ah moins 3. C'est incroyable. Non, mais à mon avis, ce sacré doit le regretter quand même. Amèrement, là, le trophée esquive PA. Bah, même à la place de l'ocre, c'était rentable quoi. J'avoue, c'est vrai. Ouais, enfin bon, après, ça fait un peu moche d'arriver ouais, en 10-6 mais... un combat, mais. Pas faux. Tenderly qui reste sous un vide d'autrui, hein, la raison, hein, tranquille. Hein. Et que peut faire renouveau du coup? D'ailleurs, c'est pas la relance châtie là? Si, hein. Si. Tour 5 6, Ah ouais. 5 ou 6 s'il te plaît. Ah, mais il ouais, a lancé. 5. Ouais, c'est. Du coup, il va falloir choisir. Il est trop oublié. Non, mais il a relancé plus tard. Enfin, c'est bizarre. L'agile l'a lancé plus tard. Je crois que le terre feu il a lancé T1. Je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Bah, faut transpo la bombe. Ouais, quoique non, il y a un ennemi. Il peut même pas. Hein. Ah, l'ennemi peut pas. Il lui reste 2 PA donc il peut rien faire. Ah, il peut pas. Oh, et ce sera un sacrifice. Okay. Ah, mais là, c'est lui qui est exposé. Hein.
Ouais, il est Ah, roi en quoi que le plus. Sram. Mais Lénu va debuff le sacrifice, non? Il y a une ligne de vie là. Oui, il Ouais, a bon, c'est très qu'un belle ligne de tour. vie. Bref, ouais. D'ailleurs, ça c'est très sale, hein, Lénu qui joue derrière le sacri. Oui et non, si Sakri avait mis beaucoup de tacles, il aurait pu bloquer chaque tour. Ouais, c'est vrai. Après, il faut pouvoir le faire, quoi. Et là, en l'occurrence, Ouais. ça galère. Hein. C'est sûr. Surtout avec 3 PA. La maîtresse de masse, et ben la voilà. Oh, le Oh, moins moins 2. 2, putain, mais c'est pas possible. Voilà. Allez, on attendait celle-là. Par contre, Et le elle moins tombe. 2 sur le FK, je comprends pas trop, mais. Ah, c'est trop aléatoire, c'est un délire. Ouais. Est-ce qu'il a eu Tenderly dans le sac? Non, Tenderly doit être plus bas. Peut-être qu'il y a le Tenderly SRAM, hein? qui est contre le mur en bas et il s'est fait spotter par le lapin. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, ouais, faut faire attention, ça. Les invoques de l'Enyrimsa, sans pitié avec l'invi, hein. Sans pitié. C'est pour ça que souvent, les Enyrimsa, ils n'invoquent pas le Lapineux ou le Doppel quand ils sont accompagnés d'un SRAM. Il y a deux bombes là. Ouais, ça commence Attention. à être dangereux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il peut en faire, bonne question. Ah! Bah, il y a une bombe Ah, indéplaçable. Ah, je sais pas s'il peut. Hein. Là, il a plus d'aimantation. Il manque un PO pour. Il manque un PA pour Blabot et bombe. Ah, C'est mais dommage. même. Ah, il pose sa Oh troisième du non. coup. Oh non. Pardon. Comment il va faire là? Il va pas faire. Bah si, le SRAM peut peur son double, peur la bombe et avec un répu. Oh non. Affaire réglée. Je mine des piques. Bon, il faut un peu chier là. Ça serait bien qu'il épique. Ah non, bah non, s'il repose l'héros, il y a sacrifice, donc non. Y'a les matchs nuls sur Jiva? Ouais. Il y a du Diva. Ok. Mais ça n'arrangerait surtout pas les Bendo hein, dans l'histoire. Personne, hein, ça arrangerait personne. Parce que là, c'est possible, hein. Ah, ils ont intérêt de se bouger un petit peu, ouais. Mais c'est en même temps. Attends. On est qu'au tour 6 quand même, hein. On est qu'au tour 6. J'ai l'impression que ça fait 10 tours. Ouais, c'est ça. Il reste encore la retraite, il reste une trêve encore. Une autre qui va pas tarder à revenir. Peut-être Ouais. pas non plus, mais. D'ailleurs, Ah, c'est malin. elle a été lâchée T3, je crois, donc C'est elle ça. revient T9. Du coup. Dans 3 tours. Oh Bon, là le là. SRAM a quand même pris cher. Ouais, il est à 2800 de Vitamax. Est-ce qu'il serait pas aussi intéressant de taper le Sacri, puisqu'il a jamais de PA au final? Ouais, bah c'est ça, franchement. Voilà, c'est ça, Oui, hein. oui, oui. Défoncer le Bah, Sacri, ça serait la solution, surtout là. Hein. Il a jamais de PA, ce Sacri. Voilà, moins 3. C'est Va ça. falloir songer aussi à tuer les bombes à un moment donné. Ouais, en effet. Oh Ou moins là 5. Peut-être pas la petite, mais la grosse. Il m'a pris des tacles. J'ai envie de dire, il a eu de la chance de passer en moins 6. Mais le pire, c'est qu'en fait, ce sacri pourra même pas relancer ses châtiments tellement il est entravé. Regarde! Ouais. Oh là là, bah voilà, il focus le sacri du coup. Ils ont plus le time, hein. Ouais, le pire c'est que si l'ennemi il invoque. Ah si, il pourra détour encore, mais. Ouh, l'aveuglement. Et Ça non, il peut répond. pas détour, il est dans une ligue Gravita. Ah oui, bah oui. Si l'ennemi il invoque, il peut rien faire son tour. Ouais. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va tenter le 0 PA sur le sacri? Ah, Oh ce serait oui. marrant. Bah après, il sacrifie peu de tacles. Ouais, mais est-ce que À pour limite, Doppel? il fraye le Doppel. Hein. Oui, j'avoue. Oh oui, bien vu. Et il est Est-ce qu'ils en vont glyphe relancer? indéplaçable en plus. Enfin, pas le Doppel, il sera obligé de libérer, mais il fera que ça de son tour du coup. Bah, il pourra même pas libérer en 2P en fait. Oui, je voyais. Effectivement. Allez, qu'est-ce qu'il va y penser? Tenderly, il reste un PM. Et non, il va aller taper sur renouveau. Oh bah Ah bah ouais, il oui, laisse la carotte. ça marche aussi. Pourquoi Ouais, pas? carotte. Ouais, pourquoi pas. Oh là là, le sacri, il doit être dans un état. Oh. Mais vous vous rendez Ah, il compte? lag en fait. Vous vous rendez compte qu'il pourra même pas punir ce sacri? Là, il y a des petits Peu de chaud problèmes. folie. La maîtrise. Oh, la répulsive Putain, il a de pris 500. cher. Putain.
Alors que ça fait qu'à feu, il tape pas mal. Hein. Allez, Veto. Et retour Coru, prochain tour, hein, normalement. Aussi. Ouais, voilà, faut commencer à tuer les bombes. Et il va y passer son tour à le tuer. Ah, si elle a fallu, ça passe. Enfin, plutôt tuer l'autre, moi, par contre. Parce que là, ça l'aide plus qu'autre chose, cette bombe était pas chargée. Mais l'autre, probablement, lui, il aurait pas pu avoir ouais. La flamiche, je crois. La flamiche, non, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 tout pile en fait. Ah, si. Ouais, et du coup, c'est exactement ce que tu disais, ça l'arrange, hein, Vaira. Ah, ouais, ouais, bien sûr. Il aurait peut-être fallu, du coup, mettre les roulages tranquillement sur, sur le sac. Sur la grosse. C'était la bombe centrale, ouais, la c'est la bombe pivot de son mur là. Après, je vois pas ce qu'il peut faire là. Bon, ouais, rien. Mais c'est quand la glyphe va. Comment ça s'appelle ? La gravité va disparaître au prochain tour là, il pourra. Mais non, mais le poste pas mal. Quel ou soit son SRAM. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Epic là ? Il imite un vidotruit et il tape le sacré, hein. Voire il tue le Doppel. Ah ! Sa brain. Aurait pu. Bon, ça suffira pas. Bah, il tue le Doppel, il met double aim. Hein. Ouais, clairement. Ou alors. Ah, j'ai pu. Ouais. Moi aussi. Et boum. Et un petit pourboire. Ouais, impeccable ça. On va faire attention au PA de nouveau là. Hein, parce que s'il a 5 PA, il pourra détruire franchement la bombe. Ouais, mais bon. Ah mais l'église disparaît, c'est ça. C'est pas la gravité, je suis pas sûr. La gravité c'est ce tour-ci, ça c'est sûr. Ah. Mais la PA je crois qu'elle reste encore. Oui, la PA reste. De toute façon, il y a après, si la gravité part, il peut toujours détourer. Bon, de toute façon, Thunderlit devrait y arriver sans problème à lui. C'est vrai que détour transpo, attention. Ah ouais, détour transpo. Il a perdu combien de PA dans la glyphe 5 PA dans la glyphe. S'il a 2 PA, il pourra le faire en sortant de la glyphe. Il récupère suffisamment de PA du coup. Il va faire attention à ça. Bon. Ah, il y a un dit qui va mettre un aveuglement. Ouais, à moins 3. Ça non, moins 2, je pense. Le truc, c'est qu'il est protégé de 5 PA grâce à la glyphe au final. Oui, oui. Dans ouais, le... mais si je peux pas détour. Ouais. Faut faire très attention à ça. Après, il y aura toujours ce veto à la limite pour tuer la bombe. La déplacer, donc bon. Et il y a 40% R sur les bombes. Ouais, limite, on le finit. Hein. Voilà. Je pense pas qu'ils iront jusqu'à le finir, mais. C'est pas dit, hein. Tenderly, il y a quoi ? Ah, il est pas le plus mobile. Ah, il a pas maîtrise ni stimule. Bon, et puis en plus, ah bah de toute façon, ouais. Mais là, faut absolument mettre un gros drainant ou alors. Ouais, moins de 3 là. Hein. Ou alors taper bien fort. Pour retirer, parce que là, il est en pile en zone punie, hein, quasiment. Bah de toute façon, il va détour transpo, hein, comme il a dit Panther. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais parce ouais. Qu'en détour, il sort de la glyph PA, il récupère 5 PA, il pourra transpo tranquillement. À moins 3. Après, il peut toujours mode silence par ici là. Ou aller tuer la bombe. Moi aussi. Après, non, il pourra quand même transposer la grosse tout au bout. Ça fera un petit mur, un mur plus petit, mais. Ah, quand même, les gars, il est parti pour un drainant, je pense. Un coup de clou mobile déjà pour commencer. Ah, un drainant moins 2. Ça suffit pas. Attends. Est-ce qu'il va y penser, Renouveau ? Non. Oui, je pense qu'il va y penser. Ah, du coup, on va peut-être avoir enfin des dégâts de la part des bleus. Avec les bombes. Ah, j'avoue que le détour transpo il peut être terrible. What? Oh, je reviens. Là, là, là. Oh non. Ah, je suis dégoûté là. Ah, c'est dommage. Bon. Mais surtout qu'il reste dans la glyphe là. Hop, ça, et ça, et ça. Ok. Hop, il récupère 5 PA. Et là, vous pouvez transpo. Et là. Et puis. Par contre, ouais, juste un truc. Là, il y a la corrupte. Hein. Donc je vois bien ce Beto l'a placé sur le roublard du coup ce coup-ci. Ah ouais, clairement. Et justement finalement enfin ils ont placé la corrupte très tôt dans le match et elle revient vite donc c'est pas plus mal. Hein. Après peut-être ouais, c'est vrai. Ils auraient peut-être dû la placer sur le SRAM, je sais pas s'ils avaient la LDV T2, je m'en rappelle plus. Bah, si ils avaient la LDV. Après c'est une pas évidente quand même. Ouais.
Au final, elle n'était pas si stupide parce que bah, le roublard a perdu encore un tour de jeu et a mis beaucoup plus de temps à charger ses bombes. Hop! Et voilà! Oh, Et c'est voilà, ils bien vont avoir d'avancer le très temps de vite. tuer les bombes maintenant tranquillement et elles n'auront pas servi. Alors, est-ce qu'il est Là pique, il peut là. aller taper le sacré là? Ouais, il peut le déchirer, hein. Et à prendre cher, hein. Et ce SRAM, il a aussi le retour d'un vide autrui, il me semble. Ah, il va prendre. Oh, ouais. Sur le rempart et tout ça, c'est cool. Allez, next, le SRAM. On peut les faire là. Il faut qu'il aille aider son sacri qui est mal en point. Et Pikachu qui, du coup, s'est exposé. Même le SRAM, il est mal, hein. Ouais, même lui. Mais du coup, le SRAM, il a intérêt de décaler là. Ouais. D'ailleurs, Andy peut limite glyph PM et TP. Hein. Je sais pas s'il est là. Oute. Mais ce SRAM, il a bloqué son Fekka là. Oh, moins 1. Ouais, il a bloqué son Fekka, effectivement. Alors, oui, c'est bien dérodé et tout, mais. Est-ce qu'il pouvait pas décaler? Ouais. C'est la question. En tout cas, le sacré a perdu qu'un PA. Oh là là, barricade. Oh bah, pour tous les retraits qu'il a pris. Et on entame la bombe. Ils peuvent mourir le roublard. Ils peuvent mourir le roublard. Ah ouais, clairement. Y'a pas de cabou en plus. Y'a un panchir là-haut. Oh non, il est les seuls dégâts qu'il ferait, ce serait quand il est pas cabou, hein. Il est corruption. Ah oui, ah, mais il prendra quand même au bout de son tour. Prend... Ouais, non, non, il prend pas. Ah oui, il prend. Si, si, bah, les deux vont jouer avant lui. Oui. Autour de l'ennemi, ouais. Ah oui, bah, ah, oui. Et puis en plus, ça va lui coûter un PA de le faire. Après, ça veut dire ne pas tuer les bombes, donc c'est un choix à faire. Bah, je pense que ça vaut le coup, elles sont bien belles les bombes en plus. Ah ouais, il y va, petite retraite, hop. Et Pikachu est bien placé pour faire. Oh, j'avoue, la retraite serait impeccable. Hein. Là, ils peuvent... Ouais, ouais, voilà. Le mur. Ah, je vois bien la retraite. Ça dépend du placement de renouveau, mais. Ah, ils ont des gros bugs, hein, les bombes Ouais. de gelée. Ouais. T'as pas aidé à se concentrer. Et il a le retour de la Fekka, hein, de la Fekka. De la gravité, hein, dit non? J'ai un doute, à mon avis, à un tout près, je suis pas sûr. Ce tour-ci, bah au prochain tour on va arriver tour 9, donc oui, à son prochain tour de jeu il devrait l'avoir. Ouais. C'est un tour de cooldown, c'est ça? Enfin, c'est un tour à vide. Ouais, comme tous les glyphes. Non, la pupu qui tombe sur Epic. Oh punaise. Ouais, passe sur l'héros, la non, mais. Ouais. Et Epic a 3100 vitamax. Ouais, c'est vrai que c'est sur l'héros. Ouais. Peut-être transpo une bombe. Ouais, il va la tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon. 3. Ah, transpo, ça marche aussi. Ouais, bien vu, la transpo dans le mur, comme il est déjà activé, ça prend pas les dégâts, mais là il va avoir une pelle. Ouais, il va se prendre une pelle, ouais. Ouais. Là par contre, il va activer les dégâts. Et il va en mourir. Il va même libérer. Ah non, dommage. J'ai cru que c'était le bon SRAM. Est-ce qu'il a la pelle aussi? Parce que je la vois posée sur le terrain là. Ah ouais, c'est pas sûr. Exact. Je sais plus du tout quand il a lancé. De la toute façon, la pelle va bouger la bombe. Limite, il est à l'accel, il s'accèle et il libère. Et là, du coup, si elle a pas la pelle là. Ah, il peut libérer. Vaera, il peut. Ah, voilà. C'est dommage. Oh, enfin, c'est bien vu, mais c'est. Heureusement, parce que là, Vaera, il pouvait transpo une bombe et mettre un petit blabot là et mettre Pikachu et Ardèche dedans. Exact. Ah, la retraite, elle est bien tombée là. Vraiment, ouais, mais ça retarde l'échéance. Hein. Bon, Ardèche, on va pouvoir tuer la grosse bombe. Faut aller à la rémission, il va avoir la relance. Il me semble qu'elle est déjà rémission. Il avait rémission celle qui était là, je crois. Bah, je qui était au fond. Tu sais que celle-là, le tour d'avant, elle était rémission. Ouais. Ah, mais exact. Après, je sais pas si elle sort ou pas. De rémission, ouais, c'est possible. Mais après, il peut la relancer directement, non? Rémission, c'est un sort qui se relance directement. C'est un tour à. Ah oui, non, oui, tu peux toujours avoir une bombe sur rémission. Ouais. Ah, c'est dans donc, 3 tours et c'est 3 tours de cooldown. Il le ferait sur. En soi,
En soi, rien qu'une cabotte en diagonale, là, oui, ce serait exact. Très suffisant et même très très bien pensé. Alors, il a décalé du temps. Comment on va faire ? Là, il va falloir faire très attention à ces bombes. Alors, par contre. Après, il suffit d'un piège bien placé. Et rien de plus rageant que de marcher sur un piège avec un roublé à botte. Allez, Nex. Pas de piège, hein. Mais Le double gêne à la limite un peu. Vera ouais. Sera obligé de botte. À mon avis, ils vont gravita pour bloquer le roublard là pour le prochain tour. Ah ouais. Après la retraite, donc c'est pas mal le double. Oh, bien vu. Et en plus, ils vont. Oh, ils vont avoir récupéré la. La relance peine d'ici là, est-ce qu'il a pas la PO, c'est combien la PO de l'appel? Est-ce que c'est 6 ou 5? Alors ça je sais pas. Ça. Parce que si c'est 6, ils peuvent même mûrir renouf. Ouais, Gravita. Ouais, c'est sûr, Gravita. C'est le ah, dommage. Là pour ça. Là, je veux avoir des gros dégâts. Ah, c'est trop bien joué. Et le sacré, non mais on en verra pas. Le sacré, il joue juste avant les nus, donc il est toujours sous retraite, il peut pas sortir son roublard de la Gravita. Donc c'est impeccable. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien, 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 bien. On sent quand même qu'ils ont... Enfin, ils anticipent super bien, quoi. Ouais. Ils ont un tour d'avance, quoi. Par contre, là, ce tour-là, il y a la trêve d'un Finax, potentiellement. Est-ce qu'ils vont la mettre maintenant? Non, je pense pas. Lenny peut limite double frayeur les deux bombes et mettre le sacré. Vu qu'il sera en retraite, il bouge pas. Qui ça, Lenny? Non, ouais, non, c'est pas ce tour, ouais, là, le tour d'après. Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. Mm-hmm. Ouais, il y a le temps encore, mais. Attends, je crois qu'il manque. Il manque un PO. 1, 2, 3, 4, c'est 5. Ouais, ils vont essayer de la tuer. De toute façon, c'est risqué de les laisser. Hein. Il n'y aura pas les pelles. Ah, bien rémission, du coup. Ouais. Que pourrait faire le sacré, lui, par contre, c'est un coup qu'avait fait une team de Rick RL, c'est mettre une épée au corps à corps, à côté du mur, coop quelqu'un et faire une dérobade dessus. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a un trou à vide. Oui, il y a un trou. C'est dommage. Mais oui, effectivement, c'est un truc que j'aime bien faire aussi. C'est très sympa à faire et puis ça marche tout le temps, l'épée, ouais. L'épée troll jamais avec ça. Encore qu'il y a un doppel ennemi. Et ça fait skiller aussi. Ah, le doppel ennemi pourrait bloquer le combo. Avec la dérobade, l'épée risque... Non, elle détaclerait pas. Du coup là il assure hein, le sacré. Allez. Au cas où il y avait une pelle animée je pense, la cahouette. Ouais. C'est pour ça. Ouais mais une pelle animée du coup sur la bombe et après un frayeur sur l'autre bombe. Ouais ouais. Il y aura toujours cette pelle là à gérer qui risque de déplacer celle-ci. Mais bon, on va voir. Allez. Carrément. Ouf, alors moi. Sacré qui frayeur mes bombes. Je l'insulte. Surtout quand il y a un double à côté. Allez. J'avoue, les faux. Qu'est-ce que tu peux faire à côté au final hein. On parle de M&M sur le chat. J'ai dû manquer quelque chose. Ah, c'est Mickey et Manu, ça fait M&M. Ils sont des M&M's. voilà. Zveto qui du coup passe sur les bombes. Doppel tour 9. Ouais. Ah, il va se chance. Sûrement pour aller tuer les bombes au prochain tour de manière certaine. Bon, même s'ils peuvent bien s'en servir là, c'est vrai que c'est quand même risqué de laisser des bombes aussi chargées. Hein. Parce que. Le moindre fail et ils se prennent un one shot voire deux et voilà. Ah ouais. Elle était à bien jouer du coup. Alors du coup qu'est-ce qu'il peut faire d'ailleurs là? Pas grand chose hein. 4, il reste 7 et montre au blab. Ouais non. C'est pas si un jean n'était pas dans la glisse. Ah attends. 3, il reste 8. 4 aimantes. Attends. 10. Il pouvait murer, je crois. S'il faisait péter cette bombe là, cahouette aimante et bombe ici. Mm-hmm. Il me semble que ça passait tout juste. Il aurait attiré du coup cette bombe là ici. Et il aurait pu placer sa bombe là. Mais bon, ça faisait un. Oh, ça faisait 600 dégâts.
Mais ça a replacé le jeu là où il fallait. Merde, malheureusement. 4, 6, 7. Ouais, ça passait large, il restait même un P après. Premier mort tour 10 du coup. Et Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Next qui s'incline. Et un sacré qui va pas tarder à aller le rejoindre si ça continue comme ça. Ah là, le Il est à la bombe, hein. Il faut vraiment qu'il détruise ces deux bombes à 600 HP. Le fond pas, c'est vraiment très dangereux. Hein. Voir les deux, hein, il peut faire double frisson. Je sais pas s'il a quelques. Non, il a l'air d'être feu. Non, il a pas l'air d'être feu. Non, il est terre. Et il est au... En fait, il est aux aéries en dilation. Avec des pâtes électriques. Ouais. Zone rempart nickel. Hein. Impeccable. Mais attention, parce qu'on a laissé les bombes là. Hein, et il y a un sacré qui va peut-être pouvoir jouer ce tour-ci. Je pense que Tenderly va sauter la bombe à 420. À part s'il si rempart dessus. Et mais attends, en plus de, en plus d'avoir la zone parfaite rempart, je crois qu'ils ont la zone parfaite stimule. Oh non, non, mais attends, attends, il forme le mur et après il la tue. Ah non, il peut pas, pardon. Non, je commence à voir de travers là. Oula. Pardon, mais oui, il faut tuer les bombes là. C'est beaucoup trop dangereux. Et une je libération. Dirais même. Je sais pas si elle est encore rémission là. Parce que idéalement c'est celle-là qu'il faudrait tuer. La bombe qui est centrale. Il peut parce pas que même avec deux, une coop, ça laisse deux bombes côte à côte, une coop à côté, une troisième bombe dernier souffle, ils peuvent tuer quelqu'un. Ça, ça fait mal ça. Ouais, elle est plus rémission. Ouais, ouais, faut être, c'est bien celle-là qu'il fallait tuer, c'est bien vu. Ça évite de laisser des bombes paquets et de du coup de faire une grosse explosion sous dernier souffle. En plus, il y avait une surcharge, je crois, sur ces bombes. Si je dis pas de en plus, l'ennemi va kill l'autre, hein. Là, avec des roulages, ça suffit. Et là, du coup, chances. Ben. Ouh, Tenderly peut se faire murer à Tyrance des tours transpo. Alors, est-ce qu'il l'a vu? Parce que tout à l'heure, il a la transpo? Y a pas transpo quelque chose pour se retrouver là? Je crois qu'il a encore un tour pour la transpo. Il y a peut-être coop plutôt, je crois. Je sais plus. Bah, il pourrait coop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il détaque l'ennemi, il a juste à faire double attirance. Ah non, il y a un décor. Ah, dommage. En tout cas, c'est la transpo de plus. Sacrifice sur la bombe, voilà, c'est pas stupide. Oh là il va falloir ouais. Mettre sur l'autre par contre. Par mais contre, bon, ouais, ouais, ouais. Il va se faire sacrifice. Déchirer. Sacrifice à quelque chose qui a 0%, c'est quand même très risqué. C'est vrai, très surtout risqué. Quand t'es aussi bas en vita. Ouais, les nuits chance en plus, hein. Il peut limite taper le sacré. Ah, mais il va le déchirer là. Ouais, et l'autre mur, oh, l'autre oui, bombe meurt de toute façon. Oh, ouais. Par contre, ça c'est tendu. Hein. Ah mais de toute façon la bombe elle va sauter. Bah j'avoue il peut mettre des roulages sur la bombe en haut et c'est bon. Hein. Ouais voilà. Et là il va taper le sacré hein. Ouais. Une petite... ouais il faut qu'il tape la bombe tranquillement et puis voilà le sacré. Des invos fantômes c'est nickel. Hein. Ouais. Et c'est ce qu'il va faire effectivement très bien vu de la part de Sveto. Oh là là. Je serais curieux de savoir s'il avait la transpo. Je crois pas. Allez. Ouais. Je vois pas les tables de chevet remonter perso. Bah, le problème c'est qu'ils ont une compo qui est très centrée sur le roublard et que là. Oui, oui c'est vrai. Non, il avait pas la transpo. Ouais, parce il avait que l'ennemi a corrupt tour 7 et il me semble que le sacré a transpo tour 8. A transpo le roublard, ouais. Ouais, ouais. Exact. Donc à un tour près quoi. Quoi? Pouvait... Ouais. Il va pas rouler la botte là. Je pense que si. Ouais, ouais, ouais. Premier mur placé. 237.
C'est parce que les bombes sont vertes. C'est un bon début de réponse. Et... voilà. Ok. Hésiter à faire péter cette rainite, je sais pas. Ou alors le repousser, l'éloigner peut-être, pour éviter de prendre des arnaques, je sais pas. Ouais. Oh, à la limite, il aurait dû faire péter parce que là, il y a juste à taper la bombe pour faire le sacré. Arnaque sur la bombe et c'est fini. Ouais, j'avoue. Il aurait dû faire péter. C'est plus rentable. Oh, bah voilà, ciao. Et on se retrouve en 4v2 au tour 11. Et là, je pense que bah, les Bendo n'ont plus qu'à terminer ce match. Ils vont aller tuer la bombe, voilà, on prend pas de risque. Petite musique un peu en 29 qui passe dans mes oreilles là. Mmh. Oh, c'est laquelle? Exquis. Quelle zone? Oh là là. Attends, je vais te dire ça tout de suite, j'ai un doute. Ah, le mieux, ça se trouve. C'est... je crois que c'est les plaines de Cagna. Ouais, les plaines de Cagna. Ah, oh là là, c'est Cagna. Magnifique. Oh, les viewers, le je vous monte un peu le son. Blop et de Canigrou. Ah ouais, c'est magnifique. Et un aveuglement, moins 3 sur Vera et un Fi. Ça continue les retraits dans ce combat. N'empêche, tu mets un Sadi à la place du Roub et ça fait de suite une combo plus forte. Ouais. Ouais, enfin après, ça fait tout de suite moins original. Ouais, c'est sûr. C'est ça le problème, mais j'aime bien la place du Roub dans cette compo, alors... Faut le mettre haut. Ouais, voilà. Je pense. Ouais. Faut le mettre haut. Bah, c'était l'année dernière que cette team était en finale. Hein. Ah ouais, ouais. Une team comme ça Je sais plus si c'est il y a 2 ans ou l'année dernière, en fait, mais... C'était Otomae contre Ricky Rell. Ah bah oui, ah ouais, c'est l'année dernière. Mais eux ils avaient un Eka. Ils avaient un Eka à la place du SRAM. Ah oui, ouais, autant pour moi. Mais ouais. Tu la connais bien cette team, Aira. Non, je vois pas de quoi tu parles. C'est notre team qui nous a coûté un point. Putain de merde. On m'appelle Fiat Punto sur Jiva maintenant. 1 point quoi. Putain. Bon enfin. Allez, QP, histoire de finir un peu plus vite. Putain, ce combat tellement chiant. Oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les matchs précédents, mais. Après, c'est sympa à suivre. C'est calme quoi. D'ailleurs, Infinex est sympa, elle a pas relâché la trêve. Hein. Donc c'est sympa. Elle l'a mis une fois, tu vois, pas deux. Ah, ça y est, je commence à bugger. Du coup, les bleus ont une chance d'être qualifiés ou même pas? Non, aucune. Non, ils sont foutus. Ah, par contre, les rouges... Panta, il est en train de péter un câble. Je dis rien. On te sent sous tension au cul, c'est facile. Apparemment. Intérieurement. Tu as mal à ton roublard. On vise toujours l'écran. Ah, c'est gérable, ouais. Ils tiennent encore 4 tours le temps que les bombes se chargent. Que le roublard déco, quelqu'un prend sa place. Allez, du coup, j'espère qu'elle va pas caler la trêve, mon dieu. Oh, sans pression, c'est un leg. Ah, mais j'adore ce combo là. C'est tellement fumé quand t'es un BLM aussi puissant que le terre-feu. Ouais. Il tombe là, le FK. Hein. Ah, ouais, hein, bien sûr. Tranquille. Hein. Oh, mais la mec, c'est incroyable. Du coup, pas de trêve. On est sauvé. Ouf. C'est bon pour les affaires, ça. Ah, ça veut dire que je vais devoir faire le classement. Ah ouais. Et... Non, je vais commencer tout de suite. Ouais, ça serait bien qu'on l'ait sur stream et tout. On puisse avancer. Eh bien, je vais le commencer tout de suite. Pas de soucis.
Alice Veto. Je pense que ça serait un petit T13 là. Voilà, je veux un DS dernier. Enfin, DS fait péter tout là. Même s'il va avoir que deux bombes. Au moins qu'il fasse péter quoi. Je peux tenter une petite poudre pour les fans. Ça serait cool. Allez, Vaira, montre-nous du sale. On entend pour ta souffler. Parce que ouais, c'est bientôt fini. Oui. Très bientôt fini. Dernier tour pour Vaira. Ah, c'est jamais facile. Hein. C'est jamais facile. Et du coup, dernier match de la ronde 4 hein, au final. Et, elle a esquivé. Et on passe bientôt au phase finale de Gilles Arena. Ouais. Et dans tout ça, il y a une très mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir inviter Zveto en live à un moment donné. On va être obligé, hein, je lui ai promis, hein, s'il passait en phase finale. Faudrait qu'il y ait un jour. Tu sais, tu cales un jour où c'est l'hécatombe. Ah non, il est passé sur l'hécatombe. Mais je sens qu'il va foutre la merde. Je le connais pas, non, hein, non, ce non, que non. J'ai entendu dire. Non, non, non. Ah, mais il est tout ça gentiment. Hein, il est marrant, il est vraiment marrant. Mais c'est un bon déconneur. Voilà, c'est ça, c'est un déconneur. C'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a prévenu qu'il allait arriver avec Mass Jingle et. Ah ouais, ouais, voilà. Ouais, par contre, ça, c'est sa spécialité. Dans ce sens-là, voilà. Et du coup, félicitations. Oui. Bendo Nabendo. Ouais, je.